Il tranche une bonne fois pour toutes. Après maintes critiques autour de leur mariage secret, Meghan Markle et le prince Harry doivent encaisser un nouveau coup dur, le révérend Justin Welby, qui les a unis lors de leur mariage royal officiel, a confirmé qu'ils ne s'étaient pas mariés une première fois avant la cérémonie officielle. Les Sussex avaient révélé à Oprah Winfrey s'être mariés en secret 3 jours avant leur mariage légal à Windsor. La confidence suscite depuis un débat interminable. Le mariage légal était le samedi. J'ai signé le certificat de mariage, qui est un document juridique, et j'aurais commis une infraction pénale grave si je l'avais signé en sachant qu'il était faux, a reconnu l'archevêque de Canterbury dans une interview avec le journal italien Repubblica mardi 30 mars. Justin Welby n'a pas voulu en dire davantage. J'ai eu un certain nombre de réunions privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant le mariage, a-t-il ajouté. Si l'un de vous parle à un prêtre, vous vous attendez à ce qu'il garde ce discours confidentiel. Peu importe à qui je parle. Un pasteur avait déjà semé le doute en dévoilant quelques détails de ses échanges avec Meghan Markle et le prince Harry. Justin ne célèbre pas de mariage privé, a confié le révérend Mark Edwards. Justin a eu une conversation privée avec le couple dans le jardin au sujet du mariage, mais je peux vous assurer qu'aucun mariage n'a eu lieu avant l'événement national télévisé. Meghan Markle incomprise une tempête dans un verre d'eau. Le sujet d'une telle polémique ne serait en réalité qu'un simple quiproquo émanant d'une mauvaise interprétation des propos de Meghan Markle. Dans son interview avec Oprah Winfrey, elle souhaitait surtout évoquer un échange de vœux avec le prince Harry et non un mariage. Les vœux que nous avons échangés, ils sont encadrés dans notre chambre, ont été prononcés dans notre jardin, avec l'archevêque de Canterbury et C.S. Titou. Il n'y avait que nous trois, a-t-elle expliqué. Les faits clarifiés, la page peut être, enfin, tournée.